Bonjour, cher abonné. Je veux jouer à un jeu. Voici les pièces de jeu qui vous attendent. Mettre un like et s'abonner peut vous sauver. La torture est le seul moyen pour faire comprendre à un être humain qu'il a commis des actes ignobles. La partie est finie. Putain, je peux plus me lever. Bonjour Peter. Bonjour Cleaver. Bonjour, je suis à... C'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Quelqu'un entre vous, putain! C'est vous qui allez décider de la suite des événements. Vous avez commis, chacun de vous, des crimes ou des actes répréhensibles par la loi. Vous pouvez vous en sortir. Pour cela, il va falloir être malin. Nous allons jouer au jeu de la bombe. Il va y avoir une bombe sur cette table. Il vous faudra un kit pour la désamorcer. Putain, et pour c'est avoir quoi, cette ce kit, il vous faudra découper l'un de vous en morceaux. Une fois les membres sur la balance, le qui, kit tombera de lui-même. Bonne chance. Oula. Le timer de la bombe est fixé sur 10 minutes. Prenez la bonne décision. Putain, que fait pas de bêtises, d'accord, on sait tous qu'on va survivre. Il y a plusieurs couteaux dans la salle. Si je pouvais et à le mettre dans la balance. Si je pouvais me lever. Pour désamorcer la bombe. Il a trouvé. Il ne reste plus que 8 minutes 30. Cette bombe va exploser là actuellement. Je sais pas si vous vous rendez compte là. Oh là 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 là, réfléchis. Putain, attendez, il y a un écran. Il était debout, il s'est allongé. Il y a bien, putain, l'écran. Oui, c'est avec ça qu'il communique tout à l'heure. Il y a qui là qui veut se sacrifier là? Comme ça, on en termine rapidement. Je rentre chez moi, hop, et c'est fini. T'es fou quoi, toi? Eh ben oui, je suis fou de quoi là? Mais rangez ce couteau là pour le moment. Parce que, je vais pas vous découper. Faut qu'il y ait quelqu'un me découper et j'ai pas envie que je sois découpé ce soir, d'accord? J'ai pas envie de mourir ce soir. Hein, moi non plus. 7 minutes, ouais, on va essayer de repartir. Écoute-moi, arrête de faire l'autisme. Peut-être qu'il y en a un d'entre nous, c'est le problème. Qu'est-ce que vous avez fait là? Il a dit qu'on a tous fait quelque chose de mal dans notre vie. Vous avez fait quoi, vous? J'ai volé des caisses, quoi. J'ai volé des caisses, ouais. Voilà, tu voulais des caisses, tu vois, déjà c'est pas bien. Tu as volé la voiture au monsieur et t'as volé la voiture à un psychopathe. Donc, question. Non, je sais même pas qui je les ai volés. Et à part, j'ai repéré peut-être la personne, mais je sais même pas qui c'était, quoi. Bon, il faut qu'on trouve un putain de moyen de sortir là. On peut pas essayer de projeter la serrure là, la porte. Oh putain. Oh là là, il va me stresser. Réfléchis. Et je pense qu'il y a des caméras pour. Montez sur la balance, allez. Oula. Putain. C'est que bordel. Oh. Bouge ici. Non, moi je monte pas, je prends pas le risque de le provoquer là. C'est un putain de psychopathe, c'est bon? Mais que 4 minutes 30. Bon, on va essayer de se calmer, on va essayer de trouver un moyen là, de sortir. Y'a aucun moyen, réfléchis un peu là. T'as pas froid. Un de vous doit mourir. Vous n'avez pas le choix. Vous, qu'est-ce que vous avez fait là? Soit vous mourrez tous, soit l'un de vous se sacrifie. Qui se sacrifie? Toi, t'as fait quoi, toi? Attendez, y'a peut-être un piège. Celui qui a fait le pire truc, je le tue. Peut-être que juste avec une personne vivante, ça peut marcher. Faut juste que. Réponds à la question, qu'est-ce que t'as fait de mal? Pourquoi tu ne dis pas que tu as tué un enfant avec ta voiture? Putain. La question. J'ai juste volé des voitures. Moi, j'ai pas de putain de gosse. Je m'approche pas. Cleaver, toi qui tabasses des grands-mères pour leur voler leur sac à main, tu n'as pas honte? Oui, mais. Ouais, il a putain de gosse. On fait comme on peut. Moi, j'ai tué personne. C'est toi qui dois mourir. Tu as tué quelqu'un. Nous, on a tué personne. Plus que 3 minutes. Ah, t'es sûr, putain. Merde, putain. Essaye de mourir aujourd'hui. Peter, tu n'as pas été. J'ai pas envie de mourir aujourd'hui, putain. As-tu oublié ta femme que tu as découpée et mise en morceaux dans des sacs poubelles? Le corps n'a jamais été retrouvé par la police. Mais tu as assassiné ta femme. Je suis désolé pour ce que je vais faire. C'est toi qui dois mourir! Oh! Oh putain! Oh! Putain! Putain! Oh putain! Oh putain, c'est dégueulasse! Oh, c'est dégueulasse! Plus que
que 1 minute 30. C'est dégueulasse. C'est le truc là. C'est le truc, le bidon. Ah oui, ça coupe vraiment. Tenu, ah oui, là, ça coupe le vraiment. Ah non mais là, les gars, on a fait le plus grand truc saut possible en fait. Hein. Ouais, faut que tu prennes les membres. Faut prendre les... Putain, ouais. Ah c'est... Ah. Décalé. Faut prendre les membres et le mettre sur la balance, vite, putain. Putain. Allez, s'il te plaît, fais-le, putain. Moi, je peux pas, je suis putain d'attache. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. J'arrive même pas à me lever. Putain, dépêchez-vous, putain. Les membres que vous mettez ne sont pas suffisants, la balance ne penche pas. Putain, vite! Putain, j'ai pas envie de crever! Ok. Bordel! Bonjour Carter. Bonjour Flint. Bonjour Léa. Je veux jouer à un jeu. Bonjour. C'est vous qui allez décider de la suite. Vous avez commis des crimes et des actes ignobles. Vous pouvez vous en sortir. Pour cela, il va falloir trouver une suite logique dans les chiffres affichés sur les murs. Vous n'avez que 3 essais sur le code digital. Si vous ratez les 3 essais, des 6 sortiront du mur pour vous découper en morceaux. Vous avez 10 minutes. Okay. Oh bah, je suis détruit à quelle heure de 10 minutes. Oh putain de merde, qu'est-ce que je fous là, moi? Comment je me suis retrouvé ici? Utilise son cerveau. Je sais pas. Ok. Utilise son cerveau, frérot. Ok. Je vais vous entendre en train de réfléchir. En train d'essayer de sauver vos misérables vies. Vous ne valez rien. Tu penses tu penses qu'on casse tout? Moi, je pense qu'on voit ce que ça fait. Non, on a que trois essais. Moi, je pense surtout que la position des chiffres... Genre exemple, le 7, il est tout en haut. Vous avez commis des actes ignobles. Oui. Vous êtes plein de vanité. Vous vous moquez des gens pauvres et vous faites tout pour les rabaisser. Vous êtes une mauvaise personne. Non, j'oserais pas, je suis moi-même du famille pauvre. J'avoue Carter, tout. Vous avez laissé mourir une femme et son enfant, car vous étiez négligent. Vous êtes un mauvais médecin. Vous avez essayé de cacher les rapports pour ne pas être inculpé. Vous êtes mauvais. Et vous, Flint, vous êtes un policier ayant tué beaucoup de personnes, sous motif de la légitime défense. Mais non, vous n'êtes qu'un assassin assoiffé de sang. Vous méritez tous les 3 de mourir, mais je veux vous laisser une seconde chance. Il ne vous reste plus que 7 minutes 40. De toute façon, il n'y a pas qu'il se chiffre. Il faut juste avoir le chance. 1, 6, 7, 4. Non. Moi, je pense savoir ce que c'est le code. 4, 6, 1, 7. 4, 6, 1, 7. Développe. Vous n'avez parce que 3 que essais le... et il vous faut la suite logique. Si vous le tapez par hasard et que vous le trouvez, ça ne fonctionnera pas. Il faut m'expliquer pourquoi. Pour moi, c'est 4, 6, 1, 7. Parce que, comment expliquer, le 4, il est bas. Il est juste un petit peu plus haut. Le 1 pareil et le 7 il est en dernier. Il est très haut. Soit c'est 4, 6, 1, 7. Soit c'est 7, 6, 7, 1, 6, 4. Ouais, c'est vrai que ça peut être plausible. Je vais essayer. Si je meurs à cause de tes erreurs. On a 3 essais de toute façon, donc faut bien tester un moment ou un autre. Attention, code erroné. Je crois que c'était pas ça. Vous perdez 2 minutes. Cool, on va crever. Au pire, on essaye l'inverse. Il vous reste 7, plus de 4 minutes. 1, 6, 4. 7, 1, 6, 4. C'est bon, je sais d'où il nous voit. Je vous vois à partir des caméras. Laissez-moi sortir. Si vous vous trompez, vous enlèverez 2 minutes 30 au prochain timer, ce qui vous réduirait vos chances de survie de 90%. Vous voulez qu'on essaye 7, 1, 6, 4? De toute façon, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Hein. Vas-y, je regarde par terre. Bah 7, 1, 6, 4 parce que c'est l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le 7 est le plus haut, ensuite le 1 est le plus en dessous de le 7, le 6 est juste un petit peu plus en dessous et le 4 c'est le plus bas. Let's go. Mais ce n'est pas fini. Vu que vous avez trouvé le code, c'est bon. Vous êtes le grand gagnant, Flint. Mais je sais que vous aimez tuer. Je vous ai laissé votre arme de service sur vous. Je vais vous laisser assouvir une dernière fois votre soif de tuerie. Vous allez donc abattre Léa et Carter. Et je refuse. Non. Si vous refusez,
Dans 2 minutes, des 6 sortiront et vous découperont tous les 3. Non. Écoutez, vous êtes là pour protéger la population, vous allez mourir en traite. Vaut mieux que vous mouriez en héros. Non. Bien, Flint. Je sais que cela vous procure du plaisir. Il ne vous reste plus que 1 minute 20 pour accomplir votre tâche. Allez-vous tuer ce médecin qui a laissé sa mère et son nourrisson mourir? Allez-vous le tuer? Vous allez tuer cette femme et ce gosse. Allez-y, Flint. Vous n'êtes plus à sa près. Bien. Flint, vous allez sortir. Bonne chance à vous, la porte est ouverte. Je te déteste. Je te retrouve. Et les balles dans le crâne que je vais te mettre. Qu'est-ce que c'est que cette merde, Méouche? Ah, le bâtard. Le jeu est bientôt fini. Aidez-moi! C'est qui là? C'est Derwood! Venez m'aider vite, il y a un fou, à l'intérieur! Bienvenue messieurs, nous allons jouer à un jeu. Si vous rentrez dans ce bâtiment, vous n'en ressortirez pas. Je vous conseille donc d'y réfléchir à 2 fois avant de rentrer. C'est quoi cette mascara? Si vous rentrez, que le jeu commence. Allez, on va rentrer là. C'est quoi le bordel? Le mec, j'ai dit de pas rentrer! Bon, allez, on va rentrer, les gars! J'ai hâte de vous rencontrer. On y va. C'est quoi ça? On bloque pas derrière. Recule! On prend des scies! Dégagez! Rentrez. Bon, si, on va rentrer tout tard, donc rendez-vous. Rentrez. Nom des dieux! Putain de merde! Oh putain! Vous avez découvert mon jeu. Putain! Ne vous inquiétez pas, vous serez peut-être les prochains à rejoindre le jeu. Quoi ça? Il est temps. Bloqué cette porte. Il est temps. Pourquoi c'est fermé? La porte elle est fermée. La porte elle est fermée. On s'est fait enfermer. Qui le bélier? C'est qui le bélier? C'est pas moi le bélier, c'était Baker le bélier. Attendez, il y a un dispute. Vous êtes enfermé. Vous êtes idiot. Putain. Nous allons jouer à. Défonce la porte, Marshall. On est enfermé. Je vais vous aspirer des sangs. Recule. Il est inutile d'essayer de défoncer la porte. La porte est blindée. Tire les dieux. Oh non, enfoncez pas. Messieurs. C'est quoi ce bord? C'est vous qui allez décider de la suite. Vous avez commis des actes répréhensibles en tant que policier. Vous pouvez vous en sortir. Pour cela, il va falloir que vous avouiez la pire chose que vous ayez faite. La personne qui ment sera brûlée vive. De l'essence est projetée sur vous via de petites buses en haut. Vous êtes hautement inflammable, messieurs. Dépêchez-vous, il ne vous reste plus que 4 minutes 20 pour raconter votre pire crime. Bah, on va essayer quelqu'un qui va avouer là, on verra ce qui se passe. Allez, Scotson, vous êtes le plus vieux là. La pire chose que j'ai fait, j'ai rien fait moi. Crache le morceau, Scotson. Menteur. Scotson est un menteur. Il vous reste une chance à vous trois. Aidez-le. De dire la vérité. Votre pire crime. Il vous reste 2 minutes avant de brûler tous. Dépêche-toi, McMirez. Putain, mais je sais pas moi. La pire chose que j'ai faite, ça a été putain. J'ai renversé quelqu'un, poursuivre. L'avez-vous fait exprès? Pardon? J'ai exprès, pas du tout. Il est passé en plein milieu. Pardon, mec, j'ai pas fait exprès. Vous avez dit la vérité. Vous êtes sain et sauf. Il ne vous reste plus que 1 minute 30 aux deux autres pour raconter la vérité ou mourir brûlé vif. Je fais condamner une personne afro-américaine pour sa couleur de peau. Vous êtes un sale raciste. Baker, il vous reste 50 secondes pour raconter la pire chose que vous ayez commise. J'ai trompé ma femme. Ceci n'était pas la pire chose que vous ayez faite, Bakers. Non. Vous êtes désormais libre. Bonjour John. Bonjour Trevor.
Bonjour Edward. Je veux jouer à un jeu. C'est vous qui allez décider de la suite. Vous avez commis des actes répréhensibles par la loi et des crimes. Vous pouvez vous en sortir. Pour cela, l'un d'entre vous a une clé qui a été greffée au niveau de son poumon. Il va falloir trouver qui a cette clé sur lui et ouvrir son corps pour pouvoir accéder à la caisse d'armes qui est sous la télé. Et dans cette caisse d'armes, il y a un fusil de chasse. Le dernier survivant aura la vie sauve. Les autres mourront. Le couteau est disponible au-dessus de la télévision. Bonne chance. La télévision là ? Eh, je rigole pas, putain ! Ouvrez ! Je l'ai ! Eh, comment ça fait que tes cheveux ils sont rasés alors ? On t'a opéré, je suis sûr, opéré, c'est les procédures. Non, ça c'est pour le cancer ça. Ouais, bah t'as un cancer, justement. Attendez. C'est la chimio, J'ai peut-être une idée. Imaginez, c'est peut-être dans le cadavre qu'elle a là. J'ai une idée, au pire on enlève tous nos t-shirts. On regarde. Par contre, personne n'approche de moi. Je rigole pas. On va tous retirer nos t-shirts là. Le mec chauve, il a dit qu'il avait un cancer. Ouais, retire ton t-shirt toi. Y'a quelqu'un derrière vous, mais... Oh putain! Je vous en prie! Dis-toi, vas-y, enlève ton c'est t-shirt moi. Là, enlève ton t-shirt! Je vais pas mourir! Oh putain! Mais tu vas me montrer! Montre-toi ta cicatrice, putain de merde! Vas-y, c'est lui! Il l'a cassé! Vas-y! Ouvre le ventre! J'en ai buté! Et où cette saloperie de clé? On a buté quelqu'un! Oh putain! Elle est quelque part! Bravo! Vous avez remporté le jeu! A l'aide! A l'aide! Maman! Comment il gueule! Il m'a défoncé les oreilles! Bonjour Tyler! Bonjour Dante! Bonjour Michael! Je veux jouer à un qu'est-ce jeu. Qu'est-ce que c'est ça? On te connaît? What the fuck? C'est vous qui allez décider de la suite. Vous avez commis un crime. Quoi? Tyler, Dante. Ah, qu'est-ce qu'il faut là, moi? Vous êtes de mauvaises personnes. Vous pouvez vous en sortir. Pour cela, c'est très simple. Michael va devoir découvrir lequel d'entre vous est un tueur. Si il découvre la bonne personne, vous sortirez. Michael va devoir découvrir lequel d'entre vous est un tueur. Vous allez devoir plaider votre cause et bien évidemment essayer de vous échapper. Michael, vous allez devoir trouver une arme ici et démembrer la personne qui est un tueur. Vous avez 7 minutes ou sinon vous mourrez tous. Quoi ? C'est qui le meurtrier là entre vous deux ? Parlez entre vous, je m'en fous, moi je vais aller chercher l'arme, hein, le truc pour eux, hein. Allez, écoutez, je suis médecin, je suis pas bûcheron. Eh les gars, moi j'ai pas envie de crever, d'accord. Donc soit il y en a un de vous qui meurt, là. T'as quoi à dire pour ta défense? Mais vous faites peur! Mais c'est pas une blague, bordel de merde! Tu crois que j'ai envie d'être là? Tu crois que j'ai envie de vouloir découper un de vous deux? Oh putain, il est pas cuit lui! Moi, et toi, t'es muet ou quoi? Une famille! Non, okay. je suis là, monsieur! Oh putain, ok, t'as quoi pour te défendre là? T'as quoi à dire pour mais moi j'ai rien fait monsieur, je suis pas un criminel. Michael. Ouais, c'est ça, c'est toi, c'est moi. Ils feront genre ils n'ont tué personne, mais l'un d'entre eux est un assassin, un criminel de la pire espèce. Moi je suis là pour sauver les gens, pas pour les buter, bordel de merde. Est-ce que t'es je parle pas espagnol. Y'aide les enfants. T'es pas où c'est? Ça n'est là. Le quartier. Y'aide les enfants. Tu crois vraiment qu'il y avait tué quelqu'un? Mais t'aimes les enfants, mais de quoi? Le quartier. Voilà, il était pas pédophile, il était dégueulé. Oh merde, il me reste combien de temps, bordel de merde? Ok, j'en peux plus. C'est un petit jeu à nuit, toi. Oh merde. Ok, alors le pour, ta gueule. Le pour et le contre. Ok, toi t'es un jeune, t'as les enfants, t'as une famille, tu tiens à ta cause. Toi là, tu t'ouvres même pas ta gueule, on sait même pas ce que t'as. Pourquoi il rigole pas? Oh putain, c'est quoi cette merde? Faites le bon choix, Michael.
Allez, s'il te plaît, je te donne de l'argent, je suis blindé aux as. Oh merde. Je vais couper la tête, ok? Comme ça, il sentira rien, hein? Je m'y connais en mais, médecine. Mais attends, mais si je coupe la tête, mais ça fait trop mal. Mais bien sûr que non, si je te coupe bien correctement, tu sentiras rien. Oh, je sais pas, bordel, je suis pas chirurgien. Il plus qu'une minute. L'autre qui est apparu derrière la vitre, ok? Ils sont okay. Tous les deux ensemble. J'ai fait mon choix, okay, j'ai fait mon choix, j'ai fait mon choix. Tu dois le tuer, tu dois te débarrasser de lui. Michael, tu as fait le mauvais choix. La personne avec le bonnet rouge a assassiné 17 enfants. Espèce d'enfoiré. Cet homme est une enfoiré. Espèce d'enfoiré. Espèce d'enfoiré. Pour la peine. Je vais te crever, je vais te crever. Vous allez tous mourir. Allez, on va la mettre en vrai, pardonne-moi.